Je me casse. Je me casse pas. Allez, go. Start game. Let's go. Salut Dark Soul. Wesh Vanda, putain, vous arrivez pile quand je lance le jeu. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to find all of my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Le son, ça va? Yeah. Y a assez de son? Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. Salut, Kino. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. T'arrives pile au début. Vous arrivez au début, là. Bye. Ok, Holy shit, that was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations! Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. I talk to you later, motherfucker. Oups. Bon. Where are my keys? Où sont mes clés? Donc du coup, de ce que j'ai compris, les crozes... Alors attendez, hop... Ça, je vais fermer. De ce que j'ai compris, on incarne donc une espèce de stagiaire qui bosse dans une morgue. Et notre boss nous a appelé en mode « Bon, écoute, on a reçu 3 nouveaux cadavres ce soir. Je sais qu'il est tard, mais il faut que tu viennes, il faut que tu t'en occupes parce qu'il n'y a personne à la morgue. Toi seul peux y aller. » Donc, vu qu'on commence le taf, on n'a pas refusé. Ah, c'est mieux quand ça s'arrête. Putain, c'est beau! Attends, c'est joli. C'est joli. Ah, on est dans le nord. Death and Decay. A book covering the process and the science of decompositions. Eh ben, c'est sympa. On étudie la décomposition humaine. Alors, comme vous le savez, j'adore fouiller. Ah putain, on peut prendre les objets comme dans Amnesia, tiens. Cool. Ah, c'est génial. Ok. Nickel pour le son. Il est possible d'agrandir un peu les sous-titres? Non, c'est pas possible, Naby. J'ai checké, c'est pas possible. Bon. Bah écoutez, let's go. Where are my keys? God, we lose those. Ah, je n'ai pas mes clés. On a de la bouffe, on a des chips. On fout le bordel. Bon, les clés ne sont pas dans le frigo. Où est-ce que j'ai foutu mes clés, les crozes? Là. There we go. Ok. On a un inventaire. Ok, donc les clés sont là. Très bien. Ça m'a l'air cool. On se casse. On va courir, il pleut. On court. Ah. Alright. 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 So, head to the back and get started. Attends, elle est flippante cette morgue là. Pourquoi il y a des photos comme ça là? What? Attends. Ça fait pas très morgue ça, hein, les gars.
met pas ça à l'entrée d'une morgue. C'est quoi ces bêtises? Je suis le seul à trouver ça chelou? Bon, encore Jésus, d'accord, ok, pourquoi pas. Bon, la croix, ok. Mais la fille démoniaque avec les yeux noirs qui pleure du sang, là, non. Ça rassure pas du tout. Bon, ok. Je sais pas pourquoi, j'adore jouer avec les objets dans les jeux. Là, on voit notre corps et tout. Eh, ça a pas l'air d'être un jeu fait à la va-vite, hein. Je crois que c'est un vrai jeu, les Crows. Je crois qu'on a affaire à un vrai jeu. En tout cas, on incarne une femme. Ouais, ça, c'est des jambes de femme, ça. Bon, allez. On va fouiller les titis. Fusible. Je prends. On va prendre les trois. On va être gourmand. Une clé. Ok, la clé des emballements de... Ok. Nickel. Ok, en plus en appuyant sur clic droit, on a les... on a l'inventaire. Ok. Rebecca, merci de venir. Enfin, ouais, ok. The body currently in the emballing room is done, so please return it to the cold. Ah, ok, le cadavre que tu vas trouver dans la pièce a été fait, donc il faut que tu le ramènes dans la chambre froide. Ok. I've left the key to the emballing room. Ok. Raymond. Let's go. Monsieur, bonsoir. C'est moi qui m'occupe de vous ce soir, monsieur. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. De toute façon, t'es mort. Donc même si je fais de la merde... Oula. Même si je fais de la merde, ça changera rien. Hein? Ça, il a l'air encore en forme, en vrai. Enfin, il est pas... Il est... Je m'attendais à avoir un truc décomposé, tu vois, mais non, ça va. Hein. Ça va, il est... Il est beau gosse. Il est beau gosse. Oh, une clé. Une vieille clé pour Monsieur Delver. Bah, prends-la, gros. Ouais, nickel. Un PC. My clipboard. Je n'ai pas ma clipboard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis pas doué, moi, pour ça. Je suis pas doué, les Crows. Va falloir utiliser le PC, putain. Là, il y a des tiroirs. Ok, donc j'ai pas la clipboard. Je sais pas ce que c'est une clipboard. Oh, on peut vraiment tout fouiller, c'est trop bien. Tank cleaner, je prends. Méthanol, je prends. Méthanol. Ok. Je prends tout. Cette carte, monsieur Delver. Ah, bah voilà. Je peux pas la prendre. Merde. Je peux pas prendre la carte. Là. Ah, c'est la mienne. Est-ce que je peux pas la prendre? Je peux pas prendre ma carte, les Crows. Ciseaux. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit! Je déteste, putain, avec un mort à côté comme ça, le moindre bruit, moi je m'inquiète. Hein. Putain, on peut prendre plein de trucs. On peut en prendre plusieurs. Ah, j'ai trop de trucs, les Crows. Attendez, là. Faut virer, là, non? Drop, ouais, on va dropper. Ciseaux, je vais juste en prendre un. Couteau, scalpel, je vais juste en prendre un. Ok. Ah!
C'est quoi cette ambiance? C'est quoi ça? Plastic bag used for storing the ash of creamy bodies. Un four. Ok, donc là, à mon avis, cette clé là. That's not it. Ah non, c'est pas celle-là. Merde. Donc là, on a les noms. Je peux les sortir? Oh, je peux les sortir! Mais c'est horrible! Ah! Là, il y en a pas. On va refermer. Là, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Alors, ce qui me fait peur, c'est que le gars, dans sa lettre, enfin, quand il nous a appelé au début du jeu, il nous a dit, ouais, viens, on a 3 cadavres. Faut que tu t'occupes de 3 cadavres. Sauf que là, les crozes, j'en vois qu'un ici et un là-bas. J'en vois pas 3. Bon, ici, je peux pas y aller. Le four, on peut pas utiliser. On va ramener le cadavre ici, du coup. Oh, merde. Putain, oh là, ça va faire flipper. Ah non, mais l'ambiance morgue, ça marche à tous les coups, les gars. L'ambiance morgue à tous les coups, bordel de merde. Oh putain de merde. Est-ce que vous avez vu à la fenêtre ce qu'il y a? Est-ce que vous avez vu à la fenêtre ce qui nous regardait? J'arrête ce jeu. J'arrête ce jeu. Est-ce que vous avez vu là, putain? Vous l'avez vu ou pas? Dites-moi que vous l'avez vu, je vous en supplie. Dites-moi que vous avez vu que je sois pas seul dans cette épreuve. Dites-moi que vous avez vu à la fenêtre ce qu'il y avait. Je vais mourir là. Non, non, j'ai pas vécu pire, c'était une fille... Ah, ouf pas, connard! Mais t'es con, toi! Putain, faut tout garder fermé, là, les gars. Faut surtout pas ouvrir les fenêtres. Vu ce que je viens de voir, c'est mort. Bon. On va porter ce monsieur dans sa chambre. Ah, je peux pas lever la caméra? Oh, l'enfer. Ah, si, je peux. Ok. Au moins, on voit ce qui se passe devant. Oh, merde. Mon dieu, au secours. Où est-ce que je dois le foutre, lui? Elle, on va la renfermer, grand-mère. Voilà. Comment il s'appelle, ce mec? Je sais même pas, les crozes. On va le mettre là, je crois. Je sais même pas comment on fait. Ouais, on joue une fille, ouais. Regarde les portes. Attends, parce que putain, c'est tellement long à tourner. Je suis en train de tourner la souris comme pas possible. Alors, est-ce qu'on peut le foutre là-dedans? Je suis novice, hein. Je commence mon premier jour, hein. Faut pas m'en vouloir si j'arrive pas à mettre les morts dans leur trou. Wow! Ok, c'est bon. Wouh! Nice! Allez, bonhomme. Voilà, ça dégage. C'est parfait. Oh, 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 elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. C'est le troisième corps, putain de merde. Je savais que c'était une fille possédée. Je le savais. Putain, elle me regarde. Ah, j'aime pas ça. Hein. Saloperie. Hein. C'est toujours fermé. Est-ce que je peux reprendre ce truc? Oui. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui, bah vas-y, amuse-toi à allumer et éteindre les lumières, vas-y. Connasse. Oh putain, elle s'est barrée, je l'ai pas vue. Attends, regardez son relève. Ouais, elle a genre disparu d'un coup, quoi. Ok. Bon,
Madame ? Venez vous allonger, madame. Ah, mais il est là, clipboard. Mais voilà. Merde. Ok, on va mettre ça, on va virer. Ça, on prend. At least I can keep track of things. Voilà, les gars. Retrieve body from... Ah, mais on l'a fait, ça. Attends, faut faire tout ça. C'est ça, nos missions. On va y retourner. Ferme la porte d'entrée. Mais je voulais le faire, mais elle se ferme pas. Je peux pas la fermer. Ah si, si si, j'ai rien dit. Ok, je peux fermer. Et du coup, nous on va prendre Mabel Whitney. Bonsoir Mabel. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Allez hop. Voilà, c'est toi que je vais découper aujourd'hui, saleté. C'est toi que je vais découper. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Let's go. Pour l'instant, cette journée se passe plutôt très bien. All right, let's check you out. Merci, Aline, pour tes 3 mois. Merci beaucoup. Attends, je vais te... C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas utilisé. Les trompettes. Merci beaucoup. Trop gentil. C'est toi que je vais découper, bébé. Par où je vais commencer? C'est trop cool. Putain, si... Ah, attends, c'est trop bien. Je vais fermer la porte au cas où. Au cas où il y a l'autre con qui me prend par derrière, là. Wow. Calm down. Rotate. Oh. Ok, je peux tourner le corps. I can't use that here. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais dégrafer le soutif vraiment? Je suis pas nécrophile, les gars. Hein. Et là, elle ouvre les yeux. Je cours. Je cours loin. Ok, alors. Est-ce qu'on a... Ah voilà, Mabel Whitney. 90, est-ce qu'on peut le marquer? On peut pas le noter. Ah si, c'est bon. Ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Donc c'est bon, on a le nom, on a l'âge. 90 ans, voilà, vache. Donc ça, Air Shooter, c'est où? Là. Molle, ok, en fait, il va falloir l'analyser de ouf. Ok, en fait, il faut analyser son corps. Ah, c'est pas mal. Vas-y, on va analyser les crocs. On va analyser les pieds, tiens. Là. Ici, on a une balle. Les ongles ont l'air d'aller. On va inspecter l'autre jambe. Il y a rien à signaler sur cette jambe-là. Tout a l'air en ordre. Ici, la main. La main a l'air clean en vrai. Hein. La main a l'air clean de ouf. Ok. Est-ce que je peux analyser genre ta tête? Ta tête. Center head. Alors, ici, on a un trou. Rotate. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite oreille. Tout va bien. Et ici? Rien non plus. Faut pas les yeux, hein. Ok, et le bras droit, du coup? Oh putain, ta gueule. Je te jure, ta gueule.
Mais sur les mains, elle a rien en fait. Vas-y, on va aller mettre ça dans le PC. Alors, du coup, tête. Ah, faut que je renote tout à chaque fois. Non. Hop, donc la tête, molle. Air shoulder, molle. Leg confusion. Voilà. On n'a rien vu sur les autres. Donc submit. Ça a marché. Les creuses. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Yes. I need to file the copy up front. A packet of mortuary paperwork related to the gloves. File up front the cause. Enfin, ça va bien. Quoi? File up front so they are available if request. File up front so they. Ouais. I can't hold anything else. Ah, fais chier. On est plein. Drop. Ok. Qu'est-ce que je dois faire avec ça du coup? Le mettre avec les autres dossiers. C'est où ça déjà? Les dossiers, j'avais vu les deux. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Comment je fais? Clipboard, unbelievable. Voilà! C'est bon, les crocs, on l'a fait, putain! On l'a fait! Et du coup, il reste un corps à mettre ici, sauf que, bah. Je sais pas c'est lequel, hein. Bon, on va aller ranger le corps. Je crois que là, il faut la ranger, de toute façon. Allez, mamie! Comment je fais? Oh là, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être ça la vieille clé. That's not it. Non, that's fuse. That's not it. OK, voilà. Alors, on a fait ça, on l'a fait inspect mix embalming fluid in pump. C'est quoi ces conneries? Ah, c'est là-dedans. Attends, je comprends pas. La pompe. C'est bien ça, la pompe. Je dois foutre des trucs là-dedans. Y'a pas une lumière, genre? Ouah! Putain, connasse! Ça monte. Ah! Yes. Ok, il nous manque plus que le Glutara Dale. Je sais pas où c'est ça. Où est-ce qu'il est? Ah là! Oh putain! Dites-moi qu'il est là. Ouais! Yes! On l'a! Quoi, oh, putain! Sa mère! Oh! Quoi? Mais! Elle est là! Madame! Revenez! Revenez ici! Oh putain, elle fait flipper! J'ai pas eu le temps de vous découper! Oh my god! Oh my god! Je me casse! Ah! Je me casse pas! Si, je me casse! Je m'en vais! Je prends ma caisse et je me tire! Oh putain, ça j'aime pas ça! The flash of fire and asher flesh will wear at the coming of my house. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Il y a une main. Il y a une main. Il y a une putain de main. C'est quoi cette merde? Je vais pas lui taper un check, les crozes. C'est quoi cette main là? Ah mais c'était sûr. C'était sûr. Putain. No, I'm not going. I hate you. Please, don't. Il vient me donner un coup de main. Miss Owens. What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just... I love you. Bon, c'est quand même assez spécial là. Hein. What the fuck, hein? What the fuck? What the fuck? Allez. Alors, du. Oh putain! J'en peux plus de toi! Je n'en peux plus! JPP! Comme disent les jeunes. Ah oh, putain. Nique ta mère, la grand-mère. Putain, allez, il est où l'interrupteur? Il est là. Allez. Est-ce que la vieille est revenue? Ah! T'es revenue, mamie! T'es revenue, mamie! Bon alors. Comment ça marche, ces conneries? Est-ce que je peux te scalper maintenant? I can't use that here. Comment je la fais activer, cette machine? Pour vider ton sang? Comment ça marche? Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel and forceps. Ah, forceps, ça j'ai pas, je crois. C'est où les forceps? Pourquoi elle me monte là-bas, elle? Oh mon dieu, le craquement de bras dégueulasse! Qu'est-ce qu'elle veut? Tu veux que j'aille là-bas? Oh putain de merde. Je cours! God has left you! Oh merde! Ah oh non, c'est trop les gars, c'est trop, arrêtez vos conneries là! Arrêtez tout! Toi, je vais te scalper la gueule, tu vas voir, grand-mère.
tard, Grainer, parce que je vais te foutre ta gueule, qui. Bon alors, carotide, laisse-moi te couper la jugulaire. Voilà, tiens dans ta gueule. ouais, mais par contre, on n'a pas de... I'm missing something. Ah si, artérie. Ah, c'est bon, on a tout. Si. Je dois faire quoi maintenant? Est-ce que je dois te mettre un fusible dans le cou? That's not it. Tu te réveilles? That's not it. Alors ensuite, faut faire quoi? Attends. Clamp tubing to boss vein and connect to humble bang pump. Clamp tubing? Ah, faut que je lui mette le tube dans la tronche. Comment je fais ça, moi? Tac. Il me faut un tube. Ah putain, c'est ça? Oh, bien joué, c'est bon, là. On l'a, nickel. Merci les roses, putain, heureusement que vous êtes là. Hein. Allez hop, PVC tubing, donc je vais te mettre ça dans la gueule. Oh! Et normalement, on est pas mal. Wouah! Remove tube and close incision. Oh putain, on l'a bien refermé, hein. Eh, du travail de prose, hein. Ok. Fill an empty IV réservoir bag with cavity fluid, then insert rod course. Alors, empty TV réservoir, je l'ai vu. Et cavity fluid, je l'avais vu aussi, je crois. Attends. C'était où? Je sais que j'en avais vu de ça. Merde, c'est où que j'ai vu ça? Là, voilà, ça il me le faut. Ah, c'est bon. Oh, c'est. Oh! Ah. Oh, ça me dégoûte! Bah, qu'on joue là? Bon, sur ce, santé les crozes, hein. C'est quoi qu'on fait là en fait? On est en train de lui retirer le sang du bide? C'est dégueulasse. There we go. Ok! Bon, on avance. Next. Pour pump cleaner into the embalic pump to clean it. Quoi?
Ah, attends. Four pump cleaner into the embalming pump. Ah, il faut que je clean le four. Ça. Le four, je peux même pas l'ouvrir, genre. Non, c'est un B, c'est pas un F. Pour pompe, ça veut rien dire. Pour pompe cleaner into the embalming pump to clean it. Eh, je suis vraiment nul en anglais, c'est un truc. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la baraque. Attends, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le... J'ai entendu la sonnette. Oh, oh, oh. Oh, quelqu'un a ouvert. Quelqu'un a ouvert, quelqu'un est entré. Quelqu'un s'est infiltré dans ma morgue. Salopère. J'aime pas trop ça, moi. Bon, je dois faire quoi, là? Je suis nul en traduction, mon dieu. Ah, verse le nettoyant à pompe. Verse le nettoyant à pompe. Attends, le nettoyant à pompe, c'est où ça? Pompe cleaner. Faut que je trouve du pompe cleaner. C'est infernal, hein. C'est infernal. Pompe cleaner. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Verse le nettoyant à pompe. Mais j'ai pas de nettoyant à pompe. J'ai mis tellement de trucs à terre, putain. Ah, tank cleaner, ça doit être ça. Ok, 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 ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Let's go. Et ensuite, on remet le body dans sa cage et c'est bon, les crozes. Quel enfer! Ok, let's go. Yes. Allez. Nous retournâmes où nous étions. The door is open. The four seals have marked my coming. The halls have seen echo my return. Qu'est-ce que tu racontes, toi? I am here. Can my name be so far from reach? Oh, c'est un démon, c'est un démon, c'est un démon. I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Oh putain. Look at this pitiful flesh I am serving. This body is no longer mine. I have my prize. Putain. Je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais. C'était évident. Mais il est trop bien ce jeu, j'ai kiffé. C'est la fin? J'ai kiffé.
l'ambiance de ouf. Waouh, c'est trop bien. C'est trop cool. Je vais baisser le son. Waouh, c'était cool les crocs, vous avez bien aimé ou pas? Il est bien fait, hein. Franchement, j'ai bien eu peur. J'ai vraiment bien eu peur. Ouais, il était cool. 22h30. Bon, on va peut-être s'arrêter là, du coup, je crois qu'il est trop tard pour lancer un autre jeu. Je voulais continuer Alien Cube, on fera ça une autre fois. En tout cas, The Mortuary Assistant. Rien à redire. Franchement, j'ai kiffé. Et c'est comme je disais la dernière fois, je sais plus dans quel jeu. Je disais un truc qui était très vrai au final, parce que ça s'est encore vu ce soir. Y a pas besoin, un jeu d'horreur comme ça, un bon jeu d'horreur, t'as pas besoin de créer un truc de fou. Genre là, tu crées juste une pièce. Enfin, trois pièces, t'as un couloir, deux pièces. Tu peux faire un jeu de 3 heures. Avec une ambiance de ouf. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de créer un jeu avec plein de pièces partout ou quoi. Donc j'ai grave kiffé, Cross. Très très bon jeu. 10 sur 10. Je mettrai sûrement la rediff sur YouTube. Pour ceux qui auraient loupé ça. Et puis. Puis voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir ce petit live en ma compagnie. Depuis le temps. Ça marche, Marina. Des gros bisous. Les événements sont random, du coup en plus j'ai bien aimé. Ah ouais, c'est excellent. Ouais, il est bien dosé en peur, franchement. Top, top les crocs. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un prochain live, je sais pas quand, mais bientôt. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit les crocs, merci à tous. Des gros bisous. Faites de beaux rêves. Et à très vite pour de nouvelles aventures.